Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais juste avant je veux qu'on se teste pour écouter ce doux son. C'est le micro de mon téléphone qui bug, voilà. Donc on n'a pas d'autre solution en fait. Les amis, est-ce que vous reconnaissez l'endroit qui est juste derrière moi? Non? Eh bien c'est normal. On aurait dit au babac. Et oui, en fait, on est dans mon appartement à Angers. J'ai déménagé ici pour faire mes études. Et aujourd'hui, je vous fais un room tour, tout simplement. Allez, venez avec moi. Et bienvenue dans l'entrée de l'appartement. Donc derrière moi, en fait, il y a la porte d'entrée. Donc hop, bam, quand on tombe dedans, bah voilà. Alors on a d'abord une porte juste ici, c'est la pièce à vivre. Et là, c'est la porte de la salle de bain. Du coup, on tire. On n'est pas bien sur ce trône là. Donc voici ici des petites toilettes, c'est très important hein, parce que chier par terre, bah c'est relou, faut nettoyer après. Une première commode, ici des rangements, voilà. Ça c'est le cumulus dont je ne me sers pas trop, pourquoi? Eh bien parce que maintenant je prends des douches froides. Voilà, donc ici c'est moi, un miroir accessoirement avec la partie lavabo. En fait le lavabo, comme vous pouvez le voir, il m'arrive genre un peu au-dessus du genou quoi. Il est gigabas le lavabo et c'est un peu relou parce que du coup je peux pas me baisser pour me rincer la bouche. Donc en fait le lavabo il est fait pour que je pisse dedans, mais je vais pas le faire parce qu'encore une fois c'est dégueulasse. Ici, on a un sèche-serviette et puis une bougie de douche. Voilà. Salle de bain, c'est vraiment une pièce giga intéressante, je trouve. C'est pas vrai, c'est vraiment nul à chier une salle de bain. Je vous avais pas bien présenté l'entrée. Ici, on a un interphone. Ici, on a un deuxième miroir. Parce que, un, ça ne suffit pas. Voilà, ici, le petit rangement pour ranger 2-3 trucs, notamment mes clés. Là, j'ai posé une valise et tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de rangement dans cet appart. C'est le petit bémol, je trouve. Bon, allez, assez bavardé. On passe à la pièce principale. Là, je suis vraiment en train de faire des plans de coupe avec mon évier, je suis vraiment trop con. Bienvenue dans la pièce principale de mon appart qui est en fait à la fois le salon, à la fois ma chambre, à la fois mon bureau et à la fois ma cuisine. Ouais, ça fait beaucoup. Quand on rentre, la première chose qu'on voit, eh bien c'est ce placard, c'est complètement faux, en fait personne ne le voit, mais voilà, c'est un placard avec des rangements. Ici la première chose qu'on voit évidemment c'est un lit canapé, enfin plutôt un lit en fait qu'un canapé. Là vous allez me dire, mais en fait esthétiquement ça n'est absolument pas beau, et je vais vous dire bah oui vous avez raison. En fait pour le matelas, il y a un revêtement du même genre que ça, et en fait ça fait effet canapé. Sauf que en fait c'est juste très très chiant tous les soirs d'enlever le revêtement, de mettre le drap, donc que je laisse comme ça. Ensuite si on continue juste ici, on a une table basse. J'ai ma guitare qui est juste ici. D'ailleurs je vais vous taper une démo maintenant. Ici c'est la fenêtre, j'ai fermé les volets pour pas que vous reconnaissiez et que vous veniez toquer chez moi. C'est complètement faux, c'est juste qu'en fait quand il y a trop de lumière, vu que c'est tout petit, bah après il fait trop chaud. Ici c'est la partie que je trouve la plus stylée, en fait c'est le bureau. Et dites-vous que niveau bureau, genre ça là, et bah c'était mieux que chez mes parents. En fait c'est la seule partie de l'appart qui est un minimum décoré avec ces deux étagères. En fait ça, tout ça là, c'est des quatre photos. Juste je les ai retournées en fait parce que c'est chiant de tout flotter au montage. Ici j'ai mis mes casquettes parce qu'en fait bah, je savais pas où les ranger. Là j'ai mis mon violon que j'ai acheté l'année dernière et dont je ne sais absolument pas en jouer. Une petite boîte à musique. Ensuite ici on a mes Jordan. Alors pourquoi je les ai mis là? Parce que bah, y a pas assez de rangement en fait. C'est le gros défaut de cet appartement. Ensuite ici on a 2-3 petits cahiers qui sont rangés. Le PC. Okay, et en fait ouais, il y a vraiment beaucoup plus d'espace que sur mon ancien bureau. Ensuite bah ça c'est donc un petit placard. Et comme je vous le disais en fait, vraiment ce truc tu pourras en profiter pour ranger de la bureautique un peu. Bah en fait j'ai mis que des vêtements presque, parce que bah j'ai pas le choix. Ensuite on va passer à la partie salle à manger, cuisine, qui est en fait bah, la même partie que le salon. Donc ici la table où je m'assois comme ça et je mange. Et vraiment c'est une table qui est faite pour accueillir une personne. Vraiment tu mets une assiette, genre l'assiette dis-toi elle prend cette taille là. Moi quand je suis arrivé dans l'appart, il y avait mon père. Il est resté 2-3 jours. Franchement, c'était galère pour manger. Et du coup, bah, il y a une seule chaise. J'étais obligé de tirer cette chaise de bureau. D'ailleurs, du coup, j'ai plus ma grosse chaise de bureau. J'ai ça. En vrai, ça va, c'est pratique. Juste, bah, c'est un peu moins confortable, quoi. Ici, c'est une belle poubelle. Regardez un peu tous mes déchets. Et après donc la partie cuisine. Alors vous allez me dire, mais tiens c'est bizarre, pourquoi ce placard il est ouvert? Et bah il est déjà cassé, la porte elle est là. En fait j'ai récupéré l'appart, on a fait l'état des lieux. Puis après quand on a mis le drap, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une latte de pété. Et puis en fait ce placard là, il fermait un peu mal. La porte elle était tordue à chaque fois pour fermer. T'étais obligé de soulever un peu la porte pour la remettre. En fait j'ai compris pourquoi, la porte était tordue et on s'est même pas rendu compte. Ce qui était là, les vis, ça s'était dévissé. Un jour j'ai ouvert le placard et bah ça s'est cassé. Et du coup la porte est là et maintenant j'attends qu'on me le change. Sauf que je crois que les délais ils sont gigalons. Donc à mon avis la nouvelle latte et le placard cassé, je les aurai l'année prochaine. Ça, c'est génial. Bon, du coup, comme vous pouvez le constater, je possède l'aliment légendaire de l'étudiant, à savoir les pâtes. Après, je vais pas vous montrer tous mes placards. Si vous voulez, je peux vous faire un petit tour dans le micro-ondes.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ensuite, ici, on a un tout petit évier. Ah oui, parce que c'est ça. C'est ça le nouveau truc. C'est que maintenant, je suis obligé de faire ma vaisselle. Dites-vous, maintenant, quand je réfléchis à ce que je vais manger, je réfléchis de manière à ce que j'ai le moins de vaisselle possible à laver après le repas. Profitez de votre lave-vaisselle pendant qu'il en est encore temps. Parce que moi, je vous le dis, là, l'inventeur du lave-vaisselle, vraiment, pour moi, c'est un roi, tu vois. Voilà, ici, il y a l'attirail du ménage. Parce que du coup, bah voilà, c'est moi qui fais tout, du coup. Putain. Maman! Maman! Des plaques de cuisson. Voilà le petit frigidaire, frigolateur, réfrigérateur. Vous dites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Puis voilà, je crois que j'en ai fini pour cette petite visite. Voilà, c'est la fin de la visite. J'espère que l'appartement vous plaît. Et puis même si vous ne voulez pas, c'est pas grave parce que c'est mon appartement. J'espère que malgré ce son extrêmement dégueulasse, vous avez quand même kiffé la vidéo. Bon là du coup, comme c'est mon premier mois à Angers et que je connais absolument personne et que je connais pas trop la ville encore, bah je pense que je vais peut-être reprendre activement les vidéos. Sauf que ce que j'attends avec impatience, c'est le câble de mon micro. Parce que oui, j'ai laissé le câble de mon micro chez mes parents, à 1000 km d'Angers. Heureusement que la poste, ça existe. Bon, le décor sera plus aussi bien qu'avant, évidemment, parce que bah, c'est un mur blanc. Sur ce, les amis, moi, je vous fais des gros bisous. Et à très vite.